Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Zoom EcoLive, cette édition qui vous enrichit en termes de contenu sur les informations à caractère économique. Voici les différents titres. Quel a été le niveau du marché de change en République démocratique du Congo au 18 octobre 2024? Les éléments de réponse dans les chiffres clés qui nous seront présentés par Benita Moun. Par après, le dossier nous parlera justement du Fonds monétaire international qui prévoit une croissance de 372 325,2 milliards de francs congolais d'ici 2029. Le point avec Judith Piombo. Mais avant d'analyser minutieusement ces différents titres, les nouvelles en bref, c'est parti. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, a annoncé avoir procédé à une augmentation significative de l'enveloppe mensuelle destinée au salaire des enseignants en République démocratique du Congo. D'après Jean-Pierre Liaou, depuis 2019, cette enveloppe est passée de 70 milliards de francs congolais, soit 24,5 millions de dollars américains, à plus de 112 milliards de francs congolais, montant équivalent à 39,3 millions de dollars américains, marquant une avancée notable dans la revalorisation de rémunération dans les secteurs éducatifs. Plus de détails sur zoomdirect.net. Entre 2020 et 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo a procédé à la mécanisation de 171 000 fonctionnaires, une initiative visant à améliorer les conditions de travail et à garantir de salaires réguliers pour les agents de l'État. D'après le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et l'innovation du service public, cette mesure gouvernementale s'inscrit dans un contexte où le gouvernement cherche à épurer les stocks d'agents non payés et à promouvoir l'inclusion salariale. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, a donc souligné que cette mécanisation est un droit pour chaque agent et qu'elle doit être réalisée dans un cadre de transparence et d'équité. Plus de détails sur zoomdirect.net. L'inspection générale des finances a été conviée à dresser les bilans effectifs de ses actions depuis sa redynamisation par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. D'abord, lors de la réunion exécutive de la Fédération nationale de jeunes protestants le jeudi 24 octobre dernier. Ensuite, l'IGF s'est déployé au forum organisé par les rassemblements de leaders pour le développement les samedi 26 octobre dernier. Mandaté par l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguété, l'inspecteur général des finances, chef de brigade de province et entité territoriale décentralisée, Bita Simon Bailly, a axé ses interventions sur l'apport de l'IGF dans la lutte contre les détournements, bilan 2019-2023. Plus de détails sur zoomdirect.net. Le Fonds monétaire international projette une hausse significative de richesses créées en République démocratique du Congo d'ici 2029, atteignant plus de 372 milliards de francs congolais. Ces prévisions sont coulées dans son nouveau rapport « Perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne » octobre 2024. En effet, le FMI revoit la hausse de ses prévisions par rapport aux précédentes. Plus de détails sur zoomdirect.net. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons enfin entamer avec la première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous seront présentés par Benita Mouini. Elle nous parle du niveau du marché de change au 18 octobre 2024. Suivez les précisions. Les chiffres clés du jour, c'est avec Benita Mouini. Benita Mouini, bienvenue. Merci, Onama. Alors, dites-nous, avant qu'on entre sur le vif du sujet, qu'est-ce qui s'observe présentement sur le taux de change? Voilà, en parlant de ce qui s'observe présentement sur le taux de change, nous allons déjà commencer par le taux miroir, qui est celui de la Banque centrale du Congo, où un dollar est fixé à 2848 francs congolais, un franc CFA à 4,68 centimes et un euro à 3074 francs congolais. Pour ce qui est du marché parallèle, nous avons pointé Barumbu comme endroit cible et dans ce lieu, un dollar s'échange à 2850 francs congolais, un franc CFA à 4,70 centimes et 3200 francs congolais pour 1 euro. Voilà, revenons sur le vif du sujet, un sujet qui va exactement en corrélation avec ce que vous venez de dire. Alors, quel a été le niveau du taux de change à l'indicatif et au parallèle à l'échéance du 18 octobre 2024? Voilà, au 18 octobre 2024, le taux de change s'est situé à 2838,01 francs congolais à l'indicatif, soit une dépréciation de 0,89% en rythme hebdomadaire.
Au marché parallèle, la monnaie nationale s'est appréciée de 0,20%, situant le taux à 2867 francs congolais, les dollars américains. Voilà, on va finir cette question. Que dire du niveau de la monnaie nationale en cumul annuel au cours de cette échéance? Voilà, en cumul annuel, la monnaie nationale s'est dépréciée de 5,58% et 6,31% respectivement. À l'indicatif et au marché parallèle, il convient de relever que depuis le mois de mai, le taux de change fluctue dans le plateau de 2800 francs congolais, les dollars américains. Quant aux réserves nationales, elles ont atteint 6 247,80 milliards de francs congolais au 16 octobre 2024, représentant 14 semaines d'importation de biens et de services. Merci beaucoup, Benita Mouini, de nous avoir éclairci à ce sujet. Je rappelle que vous étiez en train de nous parler du marché de change, du niveau du marché de change à l'échéance du 18 octobre 2024. Merci encore. Merci à vous aussi. RDC, le Fonds monétaire international, prévoit un montant de 372 325,2 milliards de francs congolais d'ici 2029. Les précisions dans le dossier, c'est tout de suite. Judith Piombo, bienvenue. Merci, Mnamaka. Voilà, avec vous, nous parlons du Fonds monétaire international qui prévoit une croissance de 372 325,2 milliards de francs congolais d'ici 2029. Alors, on va donc se baser sur les nouveaux rapports du FMI concernant les perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne d'octobre 2024. Que nous renseigne-t-il? Justement, ce document nous parle de cette augmentation dont vous avez fait mention, cette hausse significative des richesses créées en République démocratique du Congo d'ici 2029, ce qui ramène à cette révision à la hausse des prévisions par rapport aux précédentes. Il s'agissait avant de 300 000 milliards de francs congolais en 2023 et 357 789 milliards de francs congolais en avril 2024. Et ceci marque donc une dynamique de croissance optimiste pour l'économie congolaise. Bien, qu'en est-il de la valeur nominale en dollars américains de cette création des richesses? Voilà, Unamaka, jetons justement un coup d'œil à ça. Sachez que l'institution revoit à la baisse la valeur nominale en dollars de cette création de richesses estimée désormais à 100,5 milliards de dollars américains contre 122,5 milliards de dollars américains estimés précédemment. Alors malheureusement, cette révision indique une dévaluation anticipée de la monnaie nationale, c'est-à-dire le franc congolais, avec un taux de change attendu à 3705 francs congolais pour 1 dollar en 2029 par rapport aux 2921 de l'évaluation antérieure. On poursuit avec des prévisions et à présent concernant le PIB en parité du pouvoir d'achat. Concernant le PIB en parité du pouvoir d'achat, qui ajuste justement la richesse pour refléter le coût de la vie en République démocratique du Congo, est lui évalué aussi à la hausse à 266,6 milliards de dollars américains pour 2029, montrant une résilience économique malgré les différents défis. Parlons à présent du taux moyen d'investissement, qui est la clé de cette croissance, est estimé à 15,6% du produit intérieur brut pour 2023 à 2029 et de plus une inflation projetée à 6,9% d'ici là et les ménages congolais pourraient donc bénéficier davantage de cette croissance. Donc il y a de quoi mettre un focus sur les projets structurants avec pour but de redynamiser le tissu économique face aux intempéries économiques. Tout Merci encore pour votre intervention. Merci de m'avoir reçu. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wendy sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Juste après, nous allons prendre le marché du jour qui nous sera présenté par Naomi Kandéa, nous parle des différents prix des tissus qu'on retrouve dans le grand marché de la République démocratique du Congo. Suivez. Commençons ces marchés avec un mètre de tissu mousseline qui se vend à 8 500 francs. Pour le fan du bazin, un mètre revient à 15 000 francs. Un mètre de différents types de dentelles varie entre 10 000 francs et 140 000 francs au grand marché de la ville. Pour le fan du coton, un mètre se vend à 12 000 francs et 15 000 francs, tout en dépendant d'un vendeur à un autre. Un mètre de tissu tergal se vend à 10 000 francs. Vous pouvez aussi vous procurer les rouleaux de tissu tergal au prix de 500 dollars américains. Poursuivons ces marchés avec le prix des différents tissus wax. Pour une pièce de super wax, le prix varie entre 110 dollars et 130 dollars américains. Une pièce de Java noble, le prix se fixe à 15 dollars. Pour ceux qui préfèrent se vêtir en demi-hollandais, son prix se fixe à 15 dollars et 20 dollars. Toujours dans ces mêmes marchés de Kinshasa,
on trouve une pièce de deux motifs similaires, appelée deux temps, qui se vend à 20 et 25, tout en dépendant d'un vendeur à un autre. Et pour finir, 25 et 20 sont le prix d'un demi-super au grand marché de la ville de Kinshasa. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quelles sont les rencontres à caractère économique du mercredi 30 octobre 2024? Nous aurons de plus amples détails dans l'agenda avec Ada Sagras. Suivez les détails. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Rodal Opportunité Business prépare une nouvelle session de formation dénommée Business Nachombo le 2 novembre 2024 à partir des 10h et sera axée sur comment acheter en Chine chez Alibaba et être livré à Kinshasa en 4 jours. À présent, rappelons un masterclass prévu du 12 au 14 novembre prochain à Kinshasa avec comme thème innover et croître de manière durable, fabrication d'emballages biodégradables et stratégie de communication numérique pour le start-up. Cette fois-ci, du 13 au 15 novembre 2024 à Kinshasa, se tiendra la 10e édition du Business Forum Makutano, le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale et aura pour thème des New Deal. Enfin, la 3e édition du débat africain de l'intelligence économique est prévue du 15 au 16 novembre prochain à Kinshasa, précisément à l'hôtel Pullman, et aura pour thème Devenez partenaire. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est tard de se tirer d'affaires, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15, débrouillez-vous pour vivre. Article 15, c'est cette rubrique qui donne la voix aux sans-voix. Aujourd'hui, un vendeur nous relate les activités, les réalités qu'il rencontre dans l'exercice de son métier, qui lui permet de nouer les deux bouts. Suivez. Jamais. Oh, la coopérative munda type quoi boy et aussi après moi j'en ai aucun après moi chiffre ouais. Moi 1000 francs à zoga moi 500 francs et zaga toujours nini bon. Pour la musala yambo metta que la jeune papa la coquille lucate pour la travailler que malamu na zala mon otare mbongo nyosu na zala ngongo la bande la ngoko. Puisque je fais 10 francs, je suis la banque. Je suis 50 000. Je suis 50 000. Mais je suis un peu plus malin pour la bande de coupe, je suis un milliardaire, je suis un billardaire. Je suis un peu plus malin. Je suis vraiment dans la zone. Je suis dans la zone. Je suis dans la zone. Je suis dans la zone. Congo. C'est comme ça les gens ont été. Ils ont été débrouillés. Ils ont été débrouillés. Ils ont été permettre Ils ont été débrouillés. Ils ont été débrouillés. Ils ont été débrouillés. Donc on peut faire un message qui est contredit ou bien commenté. Ce qui est un peu plus de films, c'est que moi, je suis en Congo, je suis supporté, je suis souffert. C'est tout ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Le gouvernement a reconnaître. Puisque ce qui est en train de faire,
gouvernement. Puisque le gouvernement va faire sa montante, il va obliger à faire T. Nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe des professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de toujours rester fidèle à Zoom Eco Live. Retrouvons-nous demain pour de nouvelles informations à caractère économique. Même chaîne, même heure, même plateforme. Au revoir et à très bientôt.